Ça suppose que l'enfant est capable de formuler des désirs sexuels génitaux au même titre qu'un adulte Deux choses. D'une part, qu'il soit capable de formuler des désirs sexuels génitaux sans savoir exactement ce que c'est, assurément. Le désir, euh, le, le désir sexuel au sens le plus large est présent euh, dès la naissance. Hein euh, regarder euh, un, un nourrisson repu après son biberon, c'est quand même euh, quelqu'un qui est de jouissance. Les parents s'occupent de cette histoire sexuelle. Ils s'en occupent évidemment à, à, à leur façon, c'est-à-dire qu'il faut bien nettoyer le bébé. Et en nettoyant le bébé, ben, on a accès aux parties génitales. Il faut bien frotter à cet endroit-là. Et euh, selon la façon dont c'est fait, d'une manière ou d'une autre, ben, ça laisse plus ou moins de traces. Reuil de l'a dit, que l'enfant, c'est un pervers polymorphe. Ça veut dire qu'il a en lui la capacité d'être aussi bien voyeur qu'exhibitionniste, sadique que masochiste. L'enfant a un tas de modes de jouissance. Il jouit de mettre son doigt en bouche, il jouit de son corps, il jouit de, son, de la langue, hein, son babillement, une jouissance orale, il jouit de tout son cœur et la société le fait social la loi la loi va faire en sorte que tout ça on va toutes ces pulsions que tous les enfants ont vont devoir être foulées la petite fille et l'envie du pénis il y a une notion que le féminin ne se transmet pas directement de femme à femme voilà. que pour devenir une femme pour accomplir son destin féminin supposé donc hétérosexuel se tourne vers son père qui valorise que, son sexe. Voilà, et que c'est à travers le désir d'inceste avec le père que la petite fille va pouvoir devenir une femme. C'est-à-dire transformer le, le fait de vouloir être un homme en ça. vouloir... En acceptant d'être une femme euh, désirée, désirable, et en investissant du coup euh, sa réalité féminine, quand elle reconnaît son sexe, quand elle lui accorde de la valeur, et une valeur d'autant plus précieuse, qu'elle a le sentiment que son père n'est pas euh, euh, sans intérêt pour elle. Il est très important pour une petite fille d'être désirée par son père. C'est comme ça qu'elle va construire son identité féminine. Peut-il y avoir un désir d'inceste de la part d'un enfant La théorie freudienne de la sexualité fait jouer un rôle central au complexe d'Oedipe. Cette théorie oedipienne suppose que l'enfant se développe à travers un désir d'inceste exprimé envers ses parents dès l'âge de 3 ans. Les psychanalystes font jouer à ce supposé désir d'inceste un rôle nodal, voire développemental, parce que selon eux, toute la psychopathologie humaine est censée découler de la gestion de ce désir. Quand les psychanalystes parlent de poser l'interdit de l'inceste, dans leur jargon, c'est un interdit qui s'adresse à l'enfant. Il est exprimé par un adulte pour contrer les penchants supposés naturels de l'enfant. Freud parlait des tout-petits comme de pervers polymorphes. Il supposait que sans interdit de l'inceste explicitement posé, par les pères, par les détenteurs de l'autorité patriarcale, les mères et les enfants s'adonneraient spontanément entre eux à des échanges à caractère incestueux. Pourquoi parler de ces vieilles lunes psychanalytiques aujourd'hui Eh bien, parce que ces théories criminogènes sont encore largement utilisées en France, dans un certain nombre de tribunaux, et qu'elles contribuent à décrédibiliser la parole des enfants victimes et dédouaner les auteurs de crimes sexuels sur mineurs. Bah oui, pourquoi s'en priver Les avocats des auteurs disposent d'un arsenal théorique profondément ancré dans la culture française, qui dit que l'enfant peut être consentant au rapport sexuel qu'on leur a fait subir, voire même qu'ils peuvent en être à l'initiative, et que cela ne leur a pas forcément fait du mal. Ce sont les psychanalystes qui le disent, et Freud est toujours au programme du bac. Le problème, c'est que parler de sexualité infantile n'a pas vraiment de sens pour des psychologues et des psychiatres à jour de connaissances scientifiques. Alors que les psychanalystes persistent à le faire jouer un rôle très important au complexe de Du coup, chaque fois qu'il s'agit de se poser des questions sur le consentement d'un enfant dans les cas d'inceste, eh ce sont les vieilles lunes freudiennes qui ressortent encore et toujours, polluant les débats de théories toxiques et criminogènes. Pour en finir avec ce complexe de et contribuer à protéger les enfants victimes de violences sexuelles, j'ai invité sur ce plateau une pédopsychiatre et trois psychologues. Ensemble, nous allons déconstruire la théorie du bien, puis nous parlerons de la réalité du développement psychosexuel de l'enfant pour faire le point sur ce qui fait consensus aujourd'hui au sujet de la sexualité infantile. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Dr Hélène Denis, vous êtes pédopsychiatre au CHU de Montpellier. Boris Guimpel, vous êtes psychologue sexologue TCC. Aude Fievet, vous êtes docteur en psychologie spécialisée dans l'accueil des victimes de violences sexuelles et vice-présidente de l'association Le Monde à travers un regard. Et Inès Debrie, vous êtes psychologue du développement spécialisée dans l'accueil des enfants avec troubles du neurodéveloppement. Donc, la théorie du Piem suppose que l'enfant se développe à travers un désir sexuel. C'est ça, hein, fondamentalement. Toute la psychanalyse, c'est un rôle nodal. L'enfant exprime un désir sexuel à son parent de sexe opposé. Toute la psychopathologie, d'un point de vue des psychanalystes orthodoxes, est construite là-dessus. Est-ce que ça a du sens Est-ce que ça a une cohérence de, Déjà de parler de désir sexuel de la part d'un enfant, déjà en soi, et de parler de désir d'inceste. Il y a deux choses, en fait. Est-ce que ça a du sens euh, Non, totalement pas. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça tellement pas de sens que je ne sais pas comment euh, présenter les choses. Le désir sexuel apparaît après la puberté chez l'individu qui se construit, mais à la naissance, effectivement, ce que Freud appelle la libido ou la pulsion sexuelle n'existe tout simplement pas. Après, on peut observer des comportements avec des jeux sexuels, avec des masturbations, on peut observer aussi des érections, on peut aussi observer hein, le clitoris qui se contracte. Donc on observe peut-être des, des, des manifestations périphériques euh, de, de, des organes génitaux, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il existe des pulsions sexuelles. Et Ça n'a rien à voir. Euh, donc il s'agira de dissocier, de séparer des manifestations génitales avec un désir sexuel qui euh, n'existe pas à la naissance. La psychanalyse définit le, le développement euh, lépininal de l'enfant dès la naissance avec le stade oral, le stade anal, le stade phallique, le stade oedipien dont on va parler et après la, une phase de latence de la puberté. Tout ça n'existe tout simplement pas. Donc c'est basé sur des observations euh, pseudo-clinique de la part de Freud et des interprétations généralisées sans aucun fondement scientifique, donc ça n'a aucun sens. Je comprends qu'on puisse se baser sur des observations comme ça lacunaires avec des interprétations infondées. Les psychanalystes eux-mêmes le disent, la psychanalyse n'est pas scientifique, elle est irréfutable, c'est une croyance, c'est un mythe pour des intellectuels peut-être, mais le problème c'est que ce mythe fait mal. Voilà. Donc on ne peut pas accepter de ne pas remettre en question ce mythe avec euh, la science. Il y a aussi la notion de désir d'inceste. Les psychanalystes étaient convaincus, et beaucoup le sont encore aujourd'hui, à l'époque de Freud, bon, ils étaient convaincus que dans la nature, toutes les bestioles sont ensemble et toutes les bestioles euh, euh, se reproduisent par apparenté, euh, par le règles de proximité, et que c'était seule la culture humaine... L'ordre patriarcal qui avait, selon les termes de Claude lévi organisé l'échange des femmes en trône comme des marchandises, selon ses propres termes, et qui nous avait permis d'échapper à l'inceste et de sortir du règne animal. Aujourd'hui, on sait depuis longtemps, depuis des décennies, presque un siècle, en fait que non, la nature évite l'inceste au maximum, ne l'évite pas totalement complètement lorsque les animaux sont stressés, que leur habitat est détruit, etc. Mais qu'il y a tout un ensemble de réactions biochimiques et comportementales qui concourent à l'évitement de l'inceste, non seulement entre mère et fils, mais également entre père et fille. Il y a des raisons biochimiques pour lesquelles, L'évitement de l'inceste euh, s'exprime, et c'est plutôt la culture ou, qui mène parfois, ou des, des aléas culturels qui viennent contrecarrer en fait ces éléments-là. Même aussi, on peut même penser sur des facteurs pathologiques, mais c'est ouais. bon, bon euh, que ce soit Freud ou les Vistros. Je vais essayer d'être un peu ouvert d'esprit et les recontextualiser dans leur époque. Euh, mais là, maintenant, on sait que ce soit avec la primatologie, avec la biologie effectivement, évolutionniste, ou avec l'étude des comportements animaux dans leur milieu naturel, ou, ou après on peut comparer avec l'être humain, mais effectivement, il y a un évitement euh, biologique naturel de l'inceste. On l'observe hein, chez beaucoup d'espèces. Euh, c'est pas évident, ça permet d'éviter tous les rapports consanguins. Et alors il y a une dispersion, il y a deux grands phénomènes qui s'expliquent par la biologie. Il y a une dispersion euh, des individus entre eux pour éviter ces rapports consanguins. Et après, il y a ce qu'on appelle l'effet Westermark, qui est un effet en fait basé sur la familiarité. C'est que plus les individus sont familiers les uns avec les autres dans leur développement, plus ils s'évitent sexuellement. Hein, voilà. Donc, il y a ces deux grands processus qui évitent naturellement, biologiquement, l'inceste. Et c'est pareil aussi chez l'espèce humaine, qui n'est pas différente d'une autre espèce animale de ce point de vue-là. Hein, donc, euh, naturellement, le désir incestueux euh, euh, chez l'enfant et chez euh, l'adulte euh, paraît euh, contre-biologique, d'une certaine manière. Ouais, voilà, c'est impossible, en ouais, fait. Ouais. Et c'est important de le dire, c'est parce que en fait, Freud, dans son schéma théorique, c'était parent-enfant. Il a complètement occulté la réalité de, de l'inceste frère-sœur etc. Mais en fait, le principe, c'est que même lorsque les gens d'ailleurs ne sont pas apparentés, le simple fait de vivre ensemble, ça crée une inappétence. Et ce qui est particulier, c'est que Bruno Bettelheim, qui pourtant était psychanalyste au, au départ, avait fait ses études dans les, les, kibbutz, euh, les kibbutzim les en Israël, et s'était rendu compte que les enfants élevés entre eux dans les kibbutzim, c'était tout à fait exceptionnel que, que ces couples se forment et perdurent à l'âge adulte, même s'ils n'avaient aucun lien de parenté, ils se comportaient comme des frères et sœurs. Peut-être qu'il faut remettre les choses dans son contexte. Je ne suis pas sûre de pouvoir vraiment expliquer les, ces principes théoriques de la psychanalyse auxquels je pas du tout. Et d'ailleurs, je ne les ai pratiquement jamais lus, donc je ne suis pas très bien placée pour les critiquer dans leur fondement. Mais, mais peut-être qu'on a essayé à un moment donné d'expliquer le développement psychologique de, de, de l'enfant. Et les années ont passé, les méthodes scientifiques sont passées par là. Et maintenant, la psychologie du développement ne parle plus du tout dans aucun pays de ces éléments-là, mais plus du tout. Il y a des observations qui ont été faites dans différentes cultures, dans différents pays, et qui ont développé, par des observations scientifiques, euh, différents stades de développement, qui ne parlent plus du tout de sexualité, plus du tout. Ça n'a pas lieu d'être, ça n'a été observé dans aucun pays, aucune culture chez aucun enfant. Il y a des éléments sensoriels, euh, en effet, autour des organes génitaux, qui n'ont pas du tout la connotation sexuelle qui mettent les adultes, parce que c'est une construction très euh, progressive qui se fait à partir de la pré-puberté, puberté 10-11 ans. Et, et, et avant qu'on ait euh, ce que Freud appelle libido, etc., etc., ce sont des éléments très adultes. Enfin, ça ça, ça n'est même pas présent dans euh, le, le, le psychisme d'un adolescent euh, euh, juste pubère. Donc c'est vraiment une construction euh, euh, intellectuelle qui nécessite beaucoup de stades. Actuellement, en tout cas, les théories qui sont euh, acceptées, acceptables dans le monde scientifique de la psychiatrie et de la psychologie international parce que la France fait quand même exception hein, dans certains d'utilisation de la psychologie mais en tout cas dans le monde international scientifique euh, Piaget fait plutôt euh, l'unanimité bien qu'il il peut être critiqué parce que maintenant il commence à dater, il y a d'autres observations qui commencent à à, à faire qu'on a de meilleures et de bien meilleures connaissances au fur et à mesure du développement de l'enfant mais mais vraiment autour d'observations d'observations de grandes cohortes où on voit qu'à de 0 à 5 ans, il y a tel stade, puis de 5 à 10 ans avec des variations interindividuelles la sexualité, c'est à partir de 10-11 ans. Il n'y a quasiment rien à dire en dehors de ça. Les enfants sont, ne sont pas asexués. Ils naissent avec un corps, avec un sexe, qui se développe et ils vont l'explorer. Enfin, on parlera du développement psychosexuel normal de l'enfant, mais voilà, ils ne sont pas asexués. Mais pour autant, ça n'a pas de sens de parler des sexualités et encore plus de, de désir d'inceste. Pour euh, rebondir un petit peu là-dessus... Euh, en écoutant euh, les innombrables victimes d'inceste devenues adultes que j'ai écoutées, euh, j'ai pu remarquer une tendance euh, assez évidente des enfants de culpabiliser quand ils ont subi l'inceste et d'expliquer que c'était leur faute, que c'était eux qui étaient allés chercher leur agresseur, leur père en général, ou leur oncle ou leur grand-père. Et en fait, en discutant avec eux, on se rend compte que, après beaucoup de, de temps de mise en confiance, ils arrivent à dire que oui, ils ont eu des orgasmes. Et que donc, c'était bien la preuve que c'était eux qui cherchaient leur agresseur. Le, D'enfants de 5 ans, de 8 ans, qui vous expliquent que oui, ils avaient eu du plaisir et qu'ils allaient chercher ce plaisir chez euh, l'incestueur. Or, quand on leur explique. Que ce sont des réactions physiologiques euh, des nerfs, euh, des parties génitales qui sont interprétées par le cerveau comme un plaisir, et que c'est, euh, je raccourcis, mécanique, si j'ose dire. À ce moment-là, ça leur ouvre un univers et ils disent Mais alors, c'est pas moi qui suis allé le chercher Il y en a qui ont beaucoup de mal à le croire. Mais quand on insiste qu'il y a une des raisons nerveuses qui font que ils ont éprouvé physiologiquement un plaisir, mais que ça n'était pas dans leur volonté, dans leur souhait, dans leur affectivité, ça débloque la confusion dont l'agresseur a profité oui. très largement. Et dans laquelle les agresseurs l'ont... Mais bien sûr, les agresseurs rentrent là-dedans comme un boulevard. N'est-ce pas Tu aimes ça, ma chérie Ah, tu viens me chercher et voilà, l'enfant est coincé et ce sont les, les victimes qui sont les plus difficiles à soigner parce qu'elles sont vraiment persuadées profondément d'être allées chercher leur agresseur pour avoir du plaisir. Même quand elles savent qu'on leur a expliqué, qu'elles l'ont lu dans des livres, etc., elles continuent à porter une culpabilité qui verrouille la parole. Un enfant qui vraiment a conscience, qui se souvient d'avoir éprouvé des orgasmes, obéit à la loi du silence jusqu'à l'âge adulte, nous on a des gens qui parlent pour la première fois à 50, 60, 70 ans, parce qu'ils ont éprouvé un plaisir purement physiologique. C'est vraiment très très important ce que tu dis. C'est clair qu'il faut vraiment faire la distinction entre l'excitation sexuelle, voilà. qui est périphérique, et Exactement. le désir sexuel. Exactement. Et, et euh, Tu le dis beaucoup mieux que moi. <laughs> je reformule les choses différemment. Que ce soit chez les enfants, que ce soit même chez les adultes, il y a... Je pense aussi aux femmes qui, ont, qui peuvent être violées, absolument. certains hommes. Il peut y avoir des, des viols, des agressions sexuelles avec une, absolument. Avec une excitation périphérique, absolument. sans absolument aucun désir sexuel. Et que ce soit chez l'enfant, que ce soit chez l'adulte, c'est la même chose. Après, c'est pour peut-être un peu moduler, je parlerai plus facilement d'excitation sexuelle et j'ai du mal peut-être à penser qu'il puisse y avoir du plaisir sexuel, mais je vais peut-être couper les cheveux en quatre. L'excitation, pour moi, est vraiment clairement périphérique. Il peut y avoir une excitation sexuelle qui a un plaisir, qui a un niveau plus élevé. Je ne suis même pas sûr que l'enfant puisse vraiment ressentir. Mais ta clinique peut-être peut me contredire. Donc, ben moi, non, pas mais je voilà, suis entièrement pas... d'accord. Voilà. Alors, il y a une hypothèse selon laquelle... Euh, le plaisir éprouvé, c'est en fait l'intériorisation du plaisir de l'agresseur. Ce qui serait, moi, ce qui serait plus cohérent, euh, de, je pense, hein, je trouve. Parce que pour qu'il y ait du plaisir sexuel, ça implique aussi qu'il y ait un désir. Et le désir n'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Et ça nécessite finalement la construction, la maturation des différents systèmes euh, hormonaux, euh, neuronaux. Qui ne sont euh, pas présents. Euh, qui sont pas présents. Et ça implique vraiment une anticipation avec aussi de l'empathie, avec vraiment avec tout ce qui relève les neurones miroirs, avec aussi l'attachement. Donc on est dans un désir intégré, tant cognitif, motivationnel, émotionnel et social. Donc parler de désir d'enfant, désir sexuel chez l'enfant, et encore désir incestueux chez l'enfant, ça n'a aucun sens, c'est extrêmement choquant. C'est, si je peux me permettre, bête et choquant. Alors, juste pour terminer, un petit mot pour terminer sur, sur le, le complexe de d'Oedipe. Euh, il faut reconnaître sur le plan historique qu'au départ, Freud avait commencé son, à élaborer toutes ces théories sur la conviction inverse. En fait, c'est que les euh, personnes... Qui voir, qui étaient souvent des, des femmes, euh, de la bourgeoisie, des jeunes femmes atteintes d'hystérie, enfin de troubles ce qui s'appelait un peu le terme pour tout de l'époque. Hein. Il supposait qu'elles avaient été victimes de violences sexuelles, en fait, et que c'est ça qui, c'est leur réaction à cette violence qui, qui entraînait des situations de névroses, etc. Et quand il a commencé à vouloir les questionner, rentrer en détail dans ce genre de choses, il s'est rendu compte, en fait, parce qu'au départ Freud pensait que c'était les mères, voire les bonnes, qui séduisaient les enfants. À travers les, les jeux euh, le épiligiennes etc. Et puis quand il a commencé à questionner en fait ses patientes pour savoir ce qu'il en était, ce sont des hommes qu'elles ont accusés et de manière systématique quasiment systématique. Et du coup, il a fait un revirement complet au début du XXe siècle pour dire, mais non, en fait, tout ça, ce sont des fantasmes. Et il y a un ancien psychanalyste qui s'appelle Jeffrey Moussaïef Masson, qui était secrétaire aux archives Freud. À la mort de Freud, Anna Freud l'a accueilli pour qu'il fasse euh, un screening de toutes les lettres de Freud, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il fallait caviarder, qu'est-ce qu'on allait laisser à la postérité de l'héritage de papa. Et c'est en étudiant toutes ces lettres, alors c'était un psychanalyste convaincu au départ, hein, Jeffrey Masson, il s'est rendu compte, il a lu, en fait, dans la correspondance de Freud, son revirement. Et qu'en en fait, il avait par ce revirement occulté et mis un trait de silence sur euh, des témoignages, d'innombrables témoignages de violences sexuelles perpétrées par euh, ceux qui étaient détenteurs de l'autorité patriarcale civilisatrice. Hein, dans l'esprit de Freud, c'est ça. Hein, c le Père, euh, le Tout-Puissant, c'est la civilisation. C'est lui qui donne la règle, la loi. Et donc, il a fait une pirouette qui contribue à silencier les enfants victimes. C'est un geste qui est pervers au sens. Alors, je ne suis pas psy, hein, mais au sens clinique du terme, il me semble, dans le sens où c'est un, une inversion des valeurs. Et donc, le, je m'exprime de manière un peu affirmative, mais c est, c est, je vous propose à titre de question hein, est-ce euh, est que le, le complexe de Deep, ce n'est pas ça C'est une inversion des valeurs pour silencier, puisqu'en fait, on a un interdit qui est supposé posé par un homme détenteur de l'autorité qui s'exprime à l'intention d'un enfant. Enfin, ce qui est ressorti quand même des lettres de Freud à Fliess, euh, c'est qu'il a abandonné sa neurotica en partie pour pouvoir continuer à gagner de l'argent parce qu'il avait reçu un très mauvais accueil des sociétés savantes à Vienne à son époque et quand il avait commencé à développer sa, sa neurotica parce que en fait il avait constaté en faisant des, des études auprès de Charcot en France que la plupart des enfants violés avaient été vraiment abusés par séduit, comme disait Freud, par euh, les, un, un de leurs parents. Donc il était euh, persuadé, en, en quittant la France, que effectivement, les, les enfants qui avaient des troubles pathologiques après, des psychopathologiques, l'étaient parce qu'ils avaient subi des violences sexuelles. Et quand il a annoncé ça dans une société savante, il a eu un très mauvais accueil, et il a expliqué à Fliss qu'il allait perdre ses clients, qu'il avait six enfants à nourrir. Et du coup, il a abandonné sa neurotica. Il était très déçu, hein, euh, Freud, d'avoir reçu des prix littéraires. Et c'était un très bon littéraire, voilà, mais un très mauvais scientifique. Pour lui, toutes les psychonévroses sont d'ordre psychosexuel. Donc ça n'a encore aucun sens. Ça n'a aucun sens actuellement, on peut pas dire ça. C'est impossible. Mmh, et mmh. on voit encore des patients qui viennent nous voir, qui souffrent de, de TOC, qui souffrent euh, de, 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 de troubles thymiques, de différents troubles habituels qu'on connaît, qu avec des modèles scientifiques qui nous permettent de comprendre, de les expliquer, et avec des traitements validés, évalués. Et, et des, des, des patients qui viennent en pensant qu'ils ont refoulé leurs désirs sexuels, euh, des fantasmes, et qu'il faudrait que la, la, la solution, ce serait qu'ils découvrent euh, par la vérité psychanalytique. Et que ces symptômes-là vont enfin disparaître. C'est encore présent, ça, Il y avait hein. un système dualiste très ancré, très manichéen, la oui. nature et la culture. Donc les, oui. les mères et les enfants étaient du côté de la nature, les pères du côté de la culture. Et il y avait vraiment une œuvre civilisatrice du côté de l'homme, des tenteurs, des règles de la culture. Et quand il, il a fini par se, enfin, se rendre compte que... ben bah, c'est le détenteur de la culture qui induit ces, ces dérèglements, ces, ces pathologies. Ça ne pouvait pas entrer en fait dans sa tête. Et du coup, il a inventé le complexe de d'Oedipe et, et tout ce qui se passe dans l'inconscient pour maintenir intact son, son système. On peut bien imaginer qu'il a en fait vécu des mécanismes que vivent les victimes d'inceste et que sa construction, c'était sa manière de s'en sortir, sa construction, son invention du complexe mmh, de mmh. d'Oedipe. Servait à répondre à la culpabilité et à, à tous les, les problèmes propres aux, aux victimes d'inceste qui se sentent coupables. Les gens qui défendent la théorie édipienne aujourd'hui euh, le font dans un certain nombre de, de mobiles. Et, et surtout, il n'y a, a pas de reconnaissance du, du, des particularités du trouble de stress post-traumatique chez les enfants. On observe ça. Chez certains éducateurs spécialisés qui sont au contact de l'enfance en danger, il n'y a, y a, y a pas de, de, de connaissance, de compréhension. Il y a même des gens qui disent que euh, bah, les enfants oublient, les enfants sont dissociés, les enfants, donc ça ne leur fait pas de mal. Je pense que c'est vraiment c'est des notions qui sont corrélatives au maintien du complexe d'Oedipe et, et la revendication édipienne qu'on voit dans certaines expertises auprès des tribunaux, chez certains psys, dans la bouche de certains avocats, etc. Où, euh, dans les comptes rendus de certains nombres d'éducateurs spécialisés, c'est que de toute façon, les enfants, c'est pas grave, ça leur fait pas de mal, ils sont petits, ils oublient, euh, etc. D'ailleurs, on a noté un exemple, Voilà, euh, c'est Marcel Ruffaut, hein, pédopsychiatre très médiatique, à hein, euh, Séville, dans une émission avec Églantine Émeillé sur France 5, dans un extrait euh, désormais célèbre, enfin il dit beaucoup de bêtises hein, régulièrement, mais dans cet extrait, il dit euh, Les personnes incestuées vont très bien à distance du sévis, ils se portent très bien. L'immense majorité, des enfants abusés vont bien à distance après le sévice. Elles ont bien sûr des, des craintes euh, un, un peu précises, mais elles vont bien dans leur vie amoureuse, sexuelle, personnelle, professionnelle. Donc c'est quelque chose qui est très ancré dans l'esprit, dans la pratique d'un certain nombre de personnes. Enfin, quand même, ça va totalement à l'encontre de ce qu'on voit dans... Euh, D'abord dans la pratique clinique, est-ce que les jeunes euh, euh, victimes d'inceste ou victimes de viol vont bien enfin, Est-ce que quelqu'un est capable de, de, de montrer une étude qui, qui, qui dit ça je, je pense que personne ne peut le faire. Donc ça doit être une spécialité de notre pays, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut quand même se, se rendre compte que là, dire que euh, l'inceste, ça leur fait du bien, c'est soit ils n'ont jamais vu de patients euh, victimes d'inceste, Soit ils ont sorti cette idée de leur chapeau, ou de leurs propres idées à eux, ou de leurs propres rêves, c'est ce que je crois comprendre de ce monsieur, hein, qui écrivait peut-être bien, mais il sort toute sa théorie de ses propres pensées d'adulte, d'adulte bien torturé si je comprends bien, il écrit ça, et une horde de personnes le suit. Alors en 1942, euh, pourquoi pas, enfin, c'est à l'heure où on, on nous forme depuis le CP à avoir des preuves scientifiques de tout ce qu'on avance, Là, il y a encore des gens qui, qui croient ça. Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe dans notre pays. Freud est toujours au programme du bac. En, et, France. Et en France. Donc aujourd'hui, c'est important d'en parler. La clinique des enfants euh, victimes d'inceste, euh, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui d'avérer sur le, la, la cohorte de conséquences euh, qui, qui sont aujourd'hui qui se retrouvent euh, neurobiologiquement enfin, alors, la, la cohorte, on, on la connaît. Il y a euh, une très grande étude qui a eu lieu aux États-Unis sur 17 000 personnes, suivie pendant 50 ans. Ça s'appelle ACE Study, c'est-à-dire, c'est une enquête concernant les enfants qui ont vécu des maltraitances. Et cette étude a commencé un petit peu avant 1998. La première publication est de 1998. Effectivement, il y a une quantité de conséquences absolument euh, phénoménales. Je ne peux même pas les citer toutes, mais lisez donc cette étude. On Elle la, continue on encore maintenant. Je la mettrai en, en lien dans, dans, dans l'émission. Mais est-ce qu'on peut en lister quelques-uns Les troubles physiques. C'est-à-dire des maladies du ventre, de la tête. Il y a les troubles psychiques, on a beaucoup de borderline, des gens qui ont des phobies, des gens agoraphobies. Il y a des troubles émotionnels, bien sûr, il y a des perturbations de la personnalité, il y a des suicides, il y a des addictions. Il y a des problèmes euh, de mise en couple, donc de relations humaines. Il y a des problèmes avec la parentalité. Il y a aussi des maladies auto-immunes. Et je vous en passe parce qu'il y en a encore beaucoup. Voilà, donc même des enfants qui n'ont pas compris, qui ne qui, qui, qui se, qui se rendent pas compte, qui sont en développement, euh, peuvent, euh, vont développer euh, 10 ans, On 20 ans, 30 ans après, une cohorte d'éléments. Donc il y a des troubles somatiques non spécifiés C'est difficile de faire euh, un, un diagnostic de certitude de relation entre euh, ces, ces agressions ou ces viols sexuels qui sont visiblement d'autant plus euh, néfastes sur le développement de l'enfant qu'ils se passent en intrafamilial. Hein. Quand euh, c'est un viol unique, extrafamilial, les conséquences peuvent être importantes, mais elles sont d'autant plus importantes qu'elles sont répétées et, et commises par un, euh, un membre de la famille. Euh, mais oui, il y a, y a euh, sans qu'on puisse vraiment comprendre le mécanisme, il y a des troubles intestinaux, hein, de constipation, euh, euh, de, de choses comme ça, alors qui peuvent avoir un lien direct avec l'acte sexuel en lui-même, mais peut-être aussi d'autres liens de je, je ne lâche rien, je ne vais pas, euh, je ne lâche pas euh, mes excréments quand on est tout petit et qu'on doit avoir ces sensations-là, c'est compliqué. Euh, et puis après, beaucoup de troubles psychosomatiques ou, ou somatoformes, c'est dans quelle classification on l'utilise, euh, comme si ces enfants avaient aussi beaucoup de mal à intégrer le, le, leur intégrité corporelle, enfin leur, leur, leur sensation corporelle et prendre leur corps comme une, une entité à part entière. Euh, ce qu'on connaît bien dans les syndromes de stress post-traumatique des plus âgés, où là on peut faire un lien plus facilement parce qu'ils verbalisent les choses, on voit bien qu'il y a des moments, soit des moments de dissociation, Soit même euh, non-stop, ils ont vraiment du mal à, à prendre en compte tout, tout le, leur corps dans son fonctionnement hein, global. Tous ces éléments sont maintenant très très connus. On a un petit peu plus de mal à faire la part des choses sur euh, l'inceste très précoce parce que c'est pas le même. Le, le cerveau n'est pas encore complètement euh, maturé, C'est avant trois ans. Avant trois ans. Euh, bon, les dégâts de toute façon avant trois ans euh, sont euh, catastrophiques hein, en termes d'attachement, de, de développement, tout, tout développement qui est très intense. Euh, à cette époque-là, d'avoir déjà une, une, des agressions sexuelles par un, un père ou une mère à cet âge-là, c'est catastrophique pour le développement futur. Euh, mais par contre, comme après, il y a plus de verbalisation possible, on peut plus faire le lien, et toutes ces conséquences on vient, dont on vient de parler sont vraiment très connues, et scientifiquement, ça ne fait aucun doute. D'ailleurs, les syndicats de dentistes aux États-Unis enseignent à leurs adhérents à reconnaître les cicatrices au fond de la gorge euh, suite aux fellations imposée aux nourrissons ou aux jeunes enfants, parce que bien sûr les, la taille des deux individus est telle que l'enfant est blessé. Et donc on peut voir les preuves qu'il y a eu fellation. Mais il faut avoir, avoir eu la Or ce genre, ce n'est pas en France qu'on va trouver un syndicat de dentistes qui va enseigner à ses adhérents à reconnaître des traces de fellation imposées à un tout petit. C'est-à-dire que oui, la, la difficulté dans, enfin, dans l'inceste, du coup, c'est aussi euh, que l'enfant est, euh, est confronté comme ça à un stress euh, permanent. Et en fait, il, il n'expérimente pas finalement de, de répit au niveau du stress. Et donc, euh, c'est ça aussi qui va causer des dommages irréversibles, notamment au niveau de, de la mémoire sémantique, la mémoire procédurale. Et, euh, et on sait du coup, évidemment, que ça a un impact très important sur le développement des, des enfants. Est-ce qu'on peut dire un mot sur le stress post-traumatique Il y a deux notions qui me semblent très importantes. C'est la notion de dissociation. Il y a aussi, ou encore aujourd'hui, beaucoup de gens qui contestent l'existence de la dissociation. Et j'imagine que sur un cerveau en développement, les impacts de ces agressions, même s'ils si ne sont pas forcément ressentis comme tels, sur un enfant en développement, ça, ça a forcément des conséquences majeures. Qu'est-ce qu'on peut en dire Les études que je connais euh, au niveau de tout ce qui relève des dissociations chez adultes, je connais un peu moins l'enfant en ce qui concerne euh, la dissociation, mais chez adultes, on peut l'observer même d'un point de un vue neuronal, et c'est des mécanismes inhibiteurs. Il y a des neurotransmetteurs qui inhibent certaines sensations, certaines représentations, certaines sensations viscérales au niveau émotionnel. Donc le, le phénomène de dissociation basé sur l'inhibition cérébrale est observable, est observé. Donc qu'on puisse remettre en cause ces, ces faits-là, ça m'étonne. Après, au niveau clinique, c'est assez, assez évident. Il suffit, suffit d'écouter une personnalité borderline où on peut voir des personnes complètement se dissocier sous nos yeux. Absolument, euh, absolument. Euh, Alors peut-être ce sont des comédiennes professionnelles ou des comédiens professionnels, je ne suis pas au courant, mais euh, la clinique <laughs> montre clairement des états dissociatifs qu'on peut voir même sous nos yeux en tant que clinicien. Donc d'un point de vue cérébral, par l'IRM fonctionnel, ou que ce soit par la clinique, on observe ces états de dissociation. qu'est-ce qu'on voit cliniquement Parce qu'en fait, je voulais, là où je voulais en venir, c'est que euh, une psychanalyste, euh, <laughs> d'ailleurs qui m'avait poursuivi en, en justice, euh, celle qui dit dans le mur et dans le phallus et le néant, l'inceste paternel ça ne fait pas tellement de dégâts, ça rend juste les filles un peu débiles. Et d'ailleurs le côté débile, euh, voilà, en fait, ça montre une incompréhension, en plus d'être odieux et parfaitement misogyne, etc., mais ça montre une incompréhension du phénomène de dissociation et d'anesthésie émotionnelle. Et j'imagine qu'il y a un certain nombre d'enfants, d'adultes et d'enfants qui vont exprimer, qui vont dire des choses euh, aux psy, à leur entourage, en disant j'ai vécu ça, 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 mais de manière complètement détachée. Et ça, c'est mal, mal compris, mal perçu, parce qu'il n'y a pas de corrélation entre le discours et, et, la, et, la, et la, ce qui est perçu des émotions. On pense que c'est très important de pouvoir parler de la dissociation. C'est-à-dire qu'on a des aires cérébrales qui sont euh, normalement euh, synchronisées et finalement le phénomène de dissociation c'est ça, ce sont les aires cérébrales qui se désynchronisent, c'est-à-dire que le, le corps quand il est face à un, à un danger ou à du stress, euh, il a des options, euh, il peut fuir, il peut combattre, et quand il peut ni fuir ni combattre finalement, euh, il va faire ce qu'on appelle le mort, et donc du coup euh, dans un contexte de survie. Et en fait c'est voilà cet état-là où en fait notre esprit va quitter, voilà, le, quitte le corps Il se pour oui, s'observer voilà. pour, pour de l'extérieur. Donc c'est, à mon sens, un petit peu ça, ce phénomène de, de dissociation. C'est une sorte de court-circuit qu'il qu met en place pour ne pas mettre en place la sphère cognitive qui serait insupportable pour lui. Euh, d'être en, en mode de fonctionnement à ce moment-là, il, il est en train de, de, de soit être dans une scène traumatique, soit en train de revivre une scène traumatique, et pour se protéger de, de l'émotion et des cognitions qu'il y a, il se met en court-circuit et donc en mode pilote automatique. Alors, la, la dissociation, c'est un diagnostic qui est très difficile à faire chez un enfant ou même un adolescent. Euh, un adolescent, à un certain moment, vous pouvez lui expliquer ce que c'est que la dissociation et il va essayer de vous dire « bah oui, là je suis dissocié, là je ne suis pas dissocié ». Mais chez un enfant, c'est extrêmement compliqué. Euh, alors comme on n'a pas besoin que de ce, pour, 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 de, de ce symptôme-là pour diagnostiquer un syndrome de stress post-traumatique, c'est peut-être là où il y a un petit, euh, un petit problème actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font et qui se disent, et des choses un peu fausses qui se disent autour de la dissociation, une sorte de mode qui, moi, personnellement, ne me plaît pas du tout. Euh, la dissociation, c'est un des symptômes euh, du syndrome de stress post-traumatique. Il ne faut pas que être dissocié. Et euh, comme toute mode, euh, et surtout euh, dans une génération 2.0, une mode euh, fait euh, en 2 secondes euh, et 15 jours euh, plein de petits. Et là, euh, moi, je vois plein d'ados arriver en disant ⁇ bonjour, je suis dissocié !⁇ et euh, donc ça leur donne le droit un peu de dire un peu n'importe quoi. Et là, en effet, je pense qu'on est euh, sur des simulatrices euh, professionnelles qui ont une formation continue sur les chaînes euh, sur réseaux sociaux. Mmh. Voilà. On peut même dire même presque des noms. Et là, on n'est plus du tout dans ce qu'on est en train de dire. Donc peut-être que ça, en effet, ça agace euh, certains thérapeutes comme moi qui sont en train de se dire, mais attendez, la dissociation, c'est un symptôme de grave du syndrome de stress post-traumatique. Il y a d'autres diagnostics complexes hein, euh, qui viennent des États-Unis. Euh, par le syndrome dissociatif à part entière, mais quand même, c'est très relié au syndrome de stress post-traumatique. Mais il y a le notion de détachement émotionnel. Encore une fois, ce que disent des psychanalystes, c'est que si c'était vraiment arrivé, vous ne pourriez pas en parler. Et, et ou vous en parlerez de manière totalement atterrée, vous ne pourriez pas être détaché, justement, comme vous l'êtes. Ces personnes ne, connaissent pas, ne, ne parlent pas du tout le même langage que nous, ils ne connaissent pas la psychologie du développement, ils ne connaissent pas les diagnostics DSN, donc en fait, on ne peut pas parler. On ne peut pas parler de la même chose. Donc, euh, oui. bien sûr que les gens qui ont été traumatisés ne peuvent pas parler de leur traumatisme comme ça. C'est la déjà, définition déjà, même de le stress traumatique. <laughs> oui, et ils peuvent le sortir de manière paradoxale. De la même façon qu'il peut y avoir des orgasmes <laughs> paradoxaux. Enfin, il y a plein de manifestations paradoxales. Et ça, c'est la connaissance hein, qui fait ouais. qu'on parle comme ça. Si on ne connaît pas, on se tait. Enfin, ou alors, hein. enfin, moi, je ne comprends pas. Oui, mais enfin, déjà en 1996, le psychiatre Darv Bornos avait tout décrit. Tout ce qui se passe. Au niveau euh, justement euh, des, du stress post-traumatique, il, il a fait une étude, mais longue comme le bras, qu'il a euh, très soigneusement faite avec d'autres euh, psychologues. Il n'était pas tout seul et il a vraiment décrit l'ensemble de tout ce qu'on sait depuis. Et qui lit M. Darf Bornos. Mais quel dommage Il ferait mieux, les psychanalystes, de le lire. Ah, mais il n'a pas été sur le divan, donc ça ne va pas. Quels sont les signes cliniques d'un enfant qui est victime de violence Qu'est-ce qui vous alerte Comment ça se passe C'est très difficile. Il faut vraiment être humble sur ça. Euh, il ne faut pas partir dans des délires interprétatifs euh, et c'est pas nous ici qui allons dire ça. Euh, en fait, le plus facile pour faire le diagnostic, c'est qu'on connaisse l'existence du trauma. Et donc, les symptômes après, parce que tous les enfants, toutes les personnes qui ont vécu des traumatismes ne développent pas des symptômes de stress post-traumatique. Et d'ailleurs, ce n'est pas la majorité. Donc ça c'est déjà une, 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 un point. On peut affirmer de façon certaine qu'il y a un syndrome de stress post-traumatique si on connaît l'existence du traumatisme et après on va chercher les symptômes. Les symptômes étant des reviviscences du traumatisme. Alors les reviviscences chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte sont très variables d'une personne à l'autre. Et chez un enfant qui a un cerveau qui n'est pas encore complètement mature, ça peut être des dessins toujours sur le même thème, des gestes, des jeux répétitifs ou des allusions ou des sensations qui ont un rapport avec le traumatisme. Alors le problème, c'est que il y a plein d'autres symptômes. Le problème, c'est que si on ne connaît pas l'existence de traumatisme, comment on va faire le lien entre ces éléments répétitifs et euh, l'existence d'un traumatisme Et c'est là où les interprétations sont dangereuses et que certains il faut pas vont faire des, des hypothèses. Oui. Bon, donc pour, pour finir mon, 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 mon propos chez l'enfant, c'est les mêmes symptômes que chez l'adulte avec beaucoup d'atypicité. Donc c'est des éléments de résilience, c'est euh, une hyper vigilance avec une hyper anxiété de tous les instants qui n'existait pas avant le traumatisme. Donc normalement, il y a une rupture avec l'état antérieur. Exactement. Il s'est passé quelque chose, et depuis, ils sont hyper tendus. Ils sont des, parfois hyper actifs. Ils n'arrivent plus à tenir en place parce qu'ils sont, euh, ils ont été totalement déstabilisés dans leur équilibre psychologique, euh, et ils se sentent en danger tout le temps, non-stop. Euh, il y a des évitements, des situations qui leur rappellent les situations euh, de, de, de danger. Bon, on a parlé un peu des phénomènes dissociatifs, mais qui sont en fait des, des éléments. Euh, Émotionnel, et il y a un émoussement euh, émotionnel. C'est-à-dire que, comme si les émotions étaient euh, moins fortes, puis à des moments plus forts, c'est plus l'anxiété qui est plus forte. Ça, la dysrégulation, en fait, ça s'exprime comme ça. Ça peut faire comme ça quand c'est en train de s'organiser hein, entre la personnalité à un moment donné. Donc, franchement, c'est quand même très compliqué de faire un diagnostic si on ne connaît pas l'existence du traumatisme. Oui, on n'observe pas toujours des, des troubles du comportement ou des, des éléments qui sont très visibles, finalement, euh, chez l'enfant. Chez qui, ce n'est absolument pas visible c'est ça, et Ou puis... alors parce qu'il n'y a pas de syndrome de stress post-traumatique. Oui, oui. Ou il peut y avoir des, des traumatismes euh... sans développer un mmh. syndrome de stress post-traumatique. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'il peut y avoir une grande période sans aucun symptôme. Ce mmh. syndrome de stress post-traumatique, c'est très étonnant. Hein. Ça peut revenir à l'occasion d'un élément bénin ou un élément affectif important, le décès du père, de la mère, un accident de voiture, une histoire. Un... Et hop, les symptômes arrivent alors qu'il n'y en avait aucun avant. Ça, c'est possible. Voilà, c'est pour ça que le problème du concept de résilience prendre un peu avec des pincettes, parce que les gens peuvent être résilients jusqu'à 35 ou 40 ans. Et mmh. euh, comme tu dis, euh, brusquement, euh, euh, partir en vrille, parce que là, il euh, y a eu un, un déclencheur qui leur a fait remonter euh, tous les, les problèmes qui étaient euh, euh, sous le boisseau jusque-là. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que. Il y a à peu près seulement 4% des enfants qui ont des traces physiques, par exemple, moi, puisque je parle surtout d'inceste, de, de pénétration ou autre. Euh, si les Français savaient regarder au fond de la gorge, il y en aurait peut-être plus que 4%. Euh, mais le fait est, c'est qu'il n'y a effectivement pas euh, ce que les juges recherchent, la, la preuve physique là. Par contre, un cerveau qui a été euh, traumatisé, qui a, éprouve un stress post-traumatique, euh, au bout de quelques années, les structures cérébrales n'ont plus la même taille, n'ont plus le même fonctionnement, et ça se voit à l'IRM fonctionnelle. Ça se voit, ça oui, oui il y a des études qui l'ont montré. Il y a des études qui ont montré une différenciation de, du volume oui. de l'hippocampe. Et euh, une, euh, au niveau génétique, il y a euh, une, différenciation, une différence entre les, les personnes qui ont été euh, victimes, alors ce n'est pas spécifique à l'assassinat, mais de traumatisme et de traumatisme sexuel. Suis sur la méthylation des, euh, de, de l'ADN. Ça, c'est prouvé. C'est-à-dire, hein. qu'est-ce que ça signifie et ben, Ça, ben, ça c'est vraiment la preuve de l'épigénétique. C'est-à-dire, avec un même gène, si vous vivez des traumatismes, vos gènes ne vont pas s'exprimer pareil. Et en fait, la méthylation, par exemple dans l'anxiété, qui est un domaine que je connais un peu mieux, deux jumeaux, l'un a vécu un traumatisme, l'autre non, un traumatisme important, l'autre non, euh, et ben, avec les mêmes gènes, il y en a un qui va développer un trouble anxieux et pas l'autre. Parce que cette méthylation n'aura pas protégé la non-expression du gène de l'anxiété. Ça, c'est prouvé par des études oui, scientifiques. Absolument. Alors, la dysrégulation émotionnelle et euh, la dissociation ou pas, enfin, le fait que ces, ces événements euh, hautement toxiques surviennent sur un, le cerveau d'un enfant en développement, ça entraîne aussi une amnésie qui peut être euh, partielle, totale. Enfin, en, en tout cas, une relation aux événements dans l'histoire qui n'est pas forcément bien ancrée. Parce que si on suppose reviviscence, Perpétuel, il y a aussi parfois un désoubli. Enfin, voilà, il y a un truc qui est bordélisé en fait dans la mémoire, pour m'exprimer très crûment. Et du coup, ça, s'est utilisé par un certain nombre de personnes pour dire que la parole de l'enfant n'est pas fiable. De toute façon, par définition, elle n'est pas fiable. Qu'est-ce que vous en pensez Je peux plus répondre à ce d'affirmation. La parole des adultes non plus n'est pas fiable. C'est sûr. L'enfant ment. Mais est-ce que vous croyez que le gars qui est accusé d'inceste, il va pas mentir pour se protéger Ou la bonne femme d'ailleurs, parce qu'il y a des femmes qui commettent l'inceste. Et euh, je vous promets qu'elles savent très bien mentir aussi. Pas vrai <laughs> En tout cas, l'amnésie focalise toujours sur l'enfant. Non, bien sûr. Un, dans un syndrome oui, de stress post-traumatique, adulte comme enfant, il y a des éléments anam, euh, amnésiques. C'est euh, une dissociation amnésique. C'est euh, le, le cerveau qui se protège et qui ne veut pas faire revenir ce, 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 ce souvenir qui, qui générait beaucoup trop d'anxiété et d'émotions enfin, négatives. Donc c'est un phénomène connu et, et, et donc c'est pas spécifique à l'enfant. Un mécanisme qui permet d'éviter de se confronter à la douleur. C'est aussi banal que ça. Et parfois, même dans certaines situations, ça peut même paraître utile. La dissociation, l'amnésie, on peut comprendre que ça peut être utile et c'est peut-être toujours utile que l'enfant, l'adulte puisse se dissocier et faire preuve d'amnésie euh, traumatique à un moment. Euh, je suis formé aussi à, à l'EMDR, où on utilise justement euh, des techniques pour pouvoir permettre aux, aux adultes, chez l'enfant aussi, mais ça je connais moins, chez l'adulte, à s'exposer, à se confronter à leurs souvenirs pour pouvoir se désensibiliser. Et on les encourage à faire le contraire de, de la dissociation, de l'évitement et de se confronter pour se désensibiliser. Et évidemment, euh, par définition, il y a... Quand ça relève de la psychopathologie, il y a cet évitement émotionnel, tant et cognitif que sensoriel ou environnemental. Et notre travail de psychothérapeute en TSTC consiste justement à les, à les encourager, en étant accompagnés, à s'y confronter, à s'y habituer, à se, dé, de se désensibiliser. Voilà, de pour les désensibiliser ouais. et les remettre dans la mémoire voilà, historique. En que fait. ça devienne intégré. Oui. Ouais. Ça, c'est très important de savoir, enfin, ou de rappeler à ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la connaissance, visiblement, il y en a beaucoup que euh, quelqu'un qui a vécu un traumatisme lui demander de euh, répéter son traumatisme, c'est une souffrance énorme s'il n'a pas été en traitement, notamment soit EMDR, soit TCC qui sont les seules et uniques techniques qui ont montré une efficacité sur ce nombre de stress post-traumatique. EMDR quand c'est bien fait et TCC quand c'est bien fait aussi. Mais sinon les autres méthodes non seulement elles n'ont pas montré d'efficacité, mais en plus elles peuvent être vraiment euh, elles peuvent aggraver la situation. Demander à un patient de vous raconter son traumatisme, il faut le faire avec une bonne alliance une préparation et, et, et il, il faut y aller vraiment très doucement avec une énorme bienveillance et avec un processus euh, psychothérapie qui va permettre en effet que il, il va pouvoir à un moment donné se réhabituer à cette scène qu'il a vécue ne plus l'éviter une fois qu'il va réussir à accepter l'inacceptable mais ça fait partie de ses souvenirs là le souvenir va pouvoir se ranger j'ai une patiente qui a été euh... Agressé euh, sexuellement et agressé par un homme, bon, accessoirement un, un représentant de la loi, un, un policier. Et le magistrat fait son enquête, le procureur, et il euh, confronte euh, ma patiente à, à, ce, à ce policier, à son agresseur présumé. Pour, pour, pour l'instant, il n'est pas encore jugé. Et ma patiente, vous devez l'imaginer, elle était complètement muette, euh, dissociée, tout, mais totalement. Euh, et, Incapable de pouvoir se défendre. Et l'avocate qui dit, bah, dites quelque chose. ne pouvons rien. Et, et c'était, je ne sais pas, mais ça pouvait même être perçu comme une preuve de, son, de, de sa culpabilité. De sa fausseté, oui. Voilà. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Terrifiant. Voilà, terrifiant. De toute façon, remettre une personne agressée en, en, en confrontation avec un agresseur, c'est. On parle de maintenant. Hein, c'est comme si, si on n'avait si toujours pas compris ouais, le mécanisme. Ouais, oui, ouais, oui, oui, oui. Et encore plus si c'est un enfant, bien sûr. Ouais. J'ai l'occasion, enfin, il y a depuis dix ans que je fais des films sur la psychologie, la psychiatrie, tout ça. Il y a d'innombrables personnes qui sont venues me voir pour me raconter leur histoire. Et quand il s'agit de violences sexuelles, je suis terrifiée par le fait que très, 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 très peu d'entre eux vont en justice. Et c'est même pas une question de, de prescription ou quoi que ce soit. C'est qu'ils ne se sentent pas à la force de supporter le processus judiciaire. Il faut aussi dire qu'en France, on leur demande de répéter, de répéter, de répéter, je ne sais pas combien de fois ce qui s'est passé. Alors, moi, j'ai entendu dire qu'en Suisse, on, on, avec une connaissance scientifique du syndrome de, 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 de stress post-traumatique, notamment pour les enfants, ils ne seront enregistrés qu'une seule fois et plus jamais on leur demandera, à part avec l'avis du thérapeute, de, de, de raconter. Encore une fois, on est encore une fois très en retard. J'ai eu des exemples comme ça en, en permanence depuis 2003, euh, de ce que tu racontais. Euh, effectivement, de gens, toi aussi, euh, complètement euh, silencieux, transformés en pierre, euh, parce que euh, c'est insupportable. Moi-même, je l'ai vécu pour... une fois. Et je, je... Ils ne peuvent pas. On se fiche sur place. D'ailleurs, les Anglais, ils utilisent, ils utilisent le verbe freeze. C'est-à-dire se geler, transformer en glace. Mmh. Il y a une, un élément qui me semble corrélatif de tout ça, et qui va bien avec l'époque de Freud hein, pour y revenir. Donc euh, c'était euh, ouais, l'ère victorienne. Bon, que l'ère victorienne c'était en Angleterre. Mais enfin, c'est vraiment l'époque issue de la fin du XIXe siècle, avec extrêmement contraint, extrêmement un peu une obsession, un peu maladive de la sexualité et tout ce qui ressort de tout ça, euh, qui va aussi beaucoup avec Jacques Lacan, etc. C'est l'idée qu'il n'y a pas de santé sexuelle. Il n'y aurait pas de santé sexuelle. Que tout le registre de la sexualité est quelque part effractant. À mon avis, moi, ça me paraît une théorisation du stress post-traumatique, en fait. <laughs> une espèce de théorisation intellectuelle, hein, d'un certain nombre de choses. Mais euh, voilà. Et que finalement, toute la sexualité serait maladive. Et que finalement, tout le monde irait mal. On aurait le choix entre aller plus ou moins bien être névrosé si on accepte d'être sous l'autorité paternelle. Et euh, si on est sur du côté maternel, c'est qu'on va beaucoup plus mal. Et qu'on va très, très mal. Mais en gros, tout le monde irait mal quand même. Et qu'il y a la sexualité et ce serait dans le, dans le Freud était convaincu jusqu'au fin de sa vie qu'il y avait quelque chose d'effractant dans la sexualité qui de toute façon détruisait en fait la nature détruit la culture alors qu que nous que non c'est l'inverse en fait et je pense que c'est très important de parler de santé sexuelle maintenant on a, voilà on a fait le tour sur euh, Freud la toxicité la, le, le drame que constituent ces traumatismes dans l'existence d'un individu mais je vous invite à partager mais je pense que vous serez d'accord avec moi c'est très important de montrer que la, la santé sexuelle existe que est très on n'est pas obligé de l'utiliser, mais il ne faut pas non plus que ce soit vécu comme une injonction. Hein, parce que, là, mais ça fait partie du bien-être, du bien-être mental, psychique, de santé, de, de pouvoir euh, bah, jouir de son corps dans la relation à l'autre. Il y a des références aujourd'hui, scientifiques ou psychologiques, euh, psychothérapeutiques, sur ce qui sait qu être en santé sexuelle, une notion de santé sexuelle. Je me réfère à une étude qui est réalisée en fait, euh, tout, tous les 3-4 ans dans chaque pays de l'OCDE sur l'âge moyen, pour calculer l'âge moyen du rapport sexuel consenti, dans les pays de l'Ouest en fait, rapport sexuel consenti, et on s'aperçoit qu'au fil des décennies, il évolue pas. On a une espèce de butée neurodéveloppementale qui est autour de, de 16 ans et demi, 17 ans pour les filles et les garçons, à quelques mois près, depuis que les, les études sont mesurées dans tous les pays de l'Ouest, donc avec des cultures similaires, euh, malgré enfin, une libéralisation extrême. En fait, l'âge moyen, c'est ça, c'est l'âge du premier rapport sexuel consenti, ce qui suppose mais je parle sous votre autorité, c'est que, que là, on a, on a affaire à une corré un corrélat et qu'avant, ce n'est pas le moment. Et en plus, c'est un âge moyen. Ça suppose qu'il y, qu y a quelques personnes qui vont être euh, prêtes un peu plus tôt, vers euh, 14-15 ans, mais il y en a d'autres qui vont être prêtes beaucoup plus tard. Et on sait aujourd'hui que les zones les plus élaborées du cerveau n'atteignent leur maturité qu'à 25 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la santé sexuelle de l'humain Et <laughs> comment ça. Alors, est bah, les, la santé sexuelle chez l'humain euh, est reconnue par euh, l'Organisation mondiale de la santé, euh, elle est clairement euh, définie, elle est aussi euh, chez, bah, ouais, chez l'adulte à partir de, euh, du désir sexuel mature, donc on a le premier rapport, à partir du premier rapport sexuel, effectivement, on voit qu'il apparaît en moyenne vers 17h30, hein, c'est assez précis, euh, on a cette moyenne-là, et à partir de là, la santé sexuelle, euh, comme la santé est tout court, elle existe, ça paraît une, une évidence. Et la pathologie, que ce soit somatique, alors je ne suis pas médecin, ou psychique, là ou psychologique, on, on me regarde plus, c'est une, une dérégulation, c'est un dysfonctionnement. Donc pour qu'il y ait dysfonctionnement, il y a une nécessité qu'il y ait un fonctionnement euh, optimal. Donc par définition, la santé euh, somatique existe, la santé euh, mentale et sexuelle existe, et les dérégulations euh, sont justement ce qu'on essaie de soigner par des traitements validés. Donc la santé sexuelle, c'est surtout, euh, je vais dire des choses qui nous paraissent évidentes, hein. c'est avant tout une recherche de plaisir euh, sexuel euh, intégré, c'est-à-dire où tous les systèmes mentaux sont intégrés, synchronisés alors avec soi-même et aussi avec, euh, avec un partenaire. Alors, je veux pas d'autres partenaires tant qu'il y a un consentement mutuel. <laughs> c'est pas dur. Ouais, ouais, mais c'est cette recherche de plaisir. Et en tant que psychothérapeute et euh, sexologue, il y, y a toujours cette, euh, ce, ce choix stratégique. Est-ce que je m'intéresse à la régulation euh, de, des émotions douloureuses, euh, l'anxiété, le stress, euh, si c'est perçu comme douloureux euh, la culpabilité, voilà, tous les différents dysfonctionnements que je pourrais observer chez une personne, ou euh, l'autre axe qui consisterait à cette recherche de plaisir. Et dans, dans la santé euh, sexuelle, il y a une expérience positive, comme toute forme de santé. c'est pas juste une absence de douleur ou de pathologie, c'est une expérience positive en tant que telle. Et soigner une personne d'un stress post-traumatique ne lui permet pas d'apprendre à rechercher son plaisir. Et là, c'est ma casquette de sexologue qui apparaît, où je leur apprends. Où je leur donne des conseils, des lectures, des exercices à faire chez eux pour développer un érotisme, un auto-érotisme, un érotisme après ouvert sur l'autre, qui est absolument nécessaire pour pouvoir développer sa santé sexuelle. Donc, c'est pas suffisant de développer des stratégies pour réguler la souffrance. Ce qui est vraiment nécessaire pour la santé sexuelle, c'est de développer aussi cet érotisme et cette recherche de plaisir sexuel à l'égard de soi-même et à l'égard de l'autre dans cette ouverture interpersonnelle. Ça suppose que la santé sexuelle et l'exercice positif de la sexualité a une fonction euh, biologique, psychique, parce qu'on n'en a pas besoin pour la reproduction, enfin, euh, minima. Il y a, au moment où on a cru que voilà, ça servait, oui, un peu quand même, mais ça sert pour, <laughs> pour la reproduction, mais euh, on pourrait avoir d'autres stratégies, comme ils animaux. dit. Mais, voilà. mais ça sert en soi aussi une fonction positive. Il me semble qu'il y a des études, mais alors ce n'est pas tellement de mon domaine que... Des rapports sexuels réguliers font, font qu'on a une meilleure santé psychologique. il y a, pas... aussi, il y a plein d'études. Hein <laughs> il me semble que c'est le cas. Après, bon, moi qui m'occupe plus d'adolescents, c'est vrai que euh, je, je trouve que le, le développement de la sexualité, on, quand, quand on s'occupe d'adolescents qui viennent d'ailleurs pour d'autres problèmes que des problèmes sexuels, moi, ils ne me parlent jamais de sexualité. Jamais. Peut-être qu'ils voient aussi que ce n'est pas du tout mon domaine et que j'aurais beaucoup de mal à les aider. Ça, ça doit se voir sur mon visage. Mais. Mais quand même, euh, on voit bien que ce n'est pas, pas ça qu'ils viennent demander que, que, comme aide. Par contre, on, on voit comment, euh, ces derniers temps notamment, ils, ils abordent la sexualité. C'est un, un élément extrêmement euh, qui, qui se développe entre pairs. Hein. Les adultes ont très peu de, de liens avec ça, même si les adultes essayent de venir, mais les pauvres, ils sont de toute façon, on ne les écoute pas. Et presque plus ils parlent, moins on va faire ce qu'ils disent. Et, et là, avec ces histoires de réseaux sociaux, de séries... Euh, de YouPorn et tout ça, je, ouais, je me demande porno, comment porno. on va évoluer. Parce que vraiment la sexualité, c'est quelque chose de, 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 de c'est un phénomène d'imitation. C'est vraiment euh, très important euh, ce, ce, cet apprentissage par imitation qui du coup, pour nous, à partir du moment où on a plus de 25 ans, j'ai l'impression on, on s'inquiète un peu pour la nouvelle génération. Euh, et ça c'est pareil. Quand euh, pour préparer cette émission, j'ai lis un peu Freud, je me dis mais bon, on n'est plus du tout dans notre actualité. Est, on n'est plus du tout là-dedans. On est même presque dans une autre extrême. De, où On parle de sexualité déviante de façon large et on, on, on je sais pas comment nos no, no jeunes parce vont parce qu'elle se vit dans le monde de l'image sur les réseaux parce que c'est cette génération là et qu'il y a beaucoup moins l'occasion d'avoir de, des, des, des expériences concrètes entre elles entre groupes en fait concrètes oui, le problème c'est que la sexualité comme pratiquement tout le développement psychologique se fait par phénomène d'apprentissage et d'imitation donc quand ils vont comme ils vont apprendre ça très tôt avec ces images là ces modèles là ils vont J'espère pas, mais j'ai bien peur qu'ils essaient de reproduire ça. Oui. Pour rester sur la santé, il y a une notion pour les gens qui, qui maintiennent ce schéma antérieur, en fait, c'est ces valeurs antérieures qui sont incarnées par des psychanalystes orthodoxes aujourd'hui ou par des gens qui l'utilisent. Il y a vraiment l'idée, euh, vous êtes des bigots. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pensez que les enfants sont neutres, asexués, c'est pas vrai. Vous ne voyez pas les enfants tels qu'ils sont et vous êtes des bigots. Vous êtes coincés et il y a vraiment même l'idée sous-jacente que euh, si on refuse de porter ce regard sexuel sur les enfants, en quelque part, on va les frustrer et on va les empêcher de se développer sexuellement. C'est vraiment ça. Hein. J'ai eu des échanges sur les réseaux sociaux avec des gens, des, des femmes psychomotriciennes qui, qui voulaient faire de l'éveil à la sensualité euh, des enfants. Enfin, des trucs. Euh, il faut leur apprendre. What euh, Non. Et derrière tout ça, je il me semble très important de, de montrer que euh, ce, qui, ce qui fait effraction. En fait, il ne faut pas faire réfraction. Enfin, quelque part, le plat pour pour éprouver une pleine santé sexuelle, il faut que le plat il très longtemps. Voilà, c'est un peu l'image que j'ai en tête. Alors que euh, les gens qui défendent des autres valeurs disent au contraire, il faut pouvoir porter un regard sexuel sur l'enfant très tôt et regarder. Ils nous invitent en fait à adultifier et à prêter des intentions érotiques au bébé, au bébé, hein, l'enfant le, qui tête sa mère, euh, etc. Enfin, vraiment d'érotiser de, de ces trucs-là. Alors qu'au contraire, et, et en fait, on voit que les cultures où euh, où, on a, à chaque fois qu'on érotise les enfants, ou on en fait les, les mariages d'enfants, etc., ce sont des cultures ultra-patriarcales, ultra-rigoristes. C'est des théocraties islamistes ou hindouistes ou tout ce qu'on veut aujourd'hui. C'est, enfin, c'est les cultures les plus régressives. Et que, et que, au contraire, plus on va porter un regard sexué sur l'enfant, plus on va empêcher de se développer la sexualité autonome, libre, autonome d'un adulte. Et il me semble que c'est, que c'est, c'est important de le dire, quoi. Parce que c'est toujours ce truc qui vient faire barrage. Vous êtes coincé, vous êtes frustré. Et si vous ne regardez pas l'enfant le, si de manière sexuelle, vous allez l'empêcher de se développer. Je pense qu'il y a un contresens en fait. Il y a quelque chose de, de contre-intuitif. Enfin, il y a un contresens plutôt. Voilà. C'est de l'adultocentrisme. C'est de la projection. Hein oui, on, on, on calque en fait la, une grille de lecture euh, du coup, euh, sexualisée sur, euh, sur le développement de l'enfant alors que enfin, ça n'a pas de sens. Hein, Sinon, faisons des études. Et Pourquoi ils ne font pas d'études Je ne comprends pas. Faisons des études sur ces sociétés où les jeunes filles sont mariées à 8 ans et faisons une étude sur leur santé sexuelle. Et puis, démontrons, démontrons qu'elles sont, sont mieux, elles vont mieux que les autres. Inès, j'aimerais qu'on aborde la question du développement psychosexuel de l'enfant. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut être un petit peu plus spécifique Parce qu'effectivement, les enfants ne sont pas asexués. Ils naissent avec un corps, ils se développent, ils passent par un certain nombre d'étapes développementales. Qu'il ne faut pas interpréter à tort comme un désir sexuel porté sur des adultes, c'est plutôt des expériences débridées. Est-ce qu'on peut faire un schéma global C'est-à-dire que, comme on disait un petit peu déjà tout à l'heure, effectivement, chez l'enfant, il n'y a pas de, de désir sexuel. C'est un non-sens de, de parler de, de désir sexuel. En tout cas, oui, chez l'enfant, il y a une exploration de la sensorialité. Voilà, l'enfant, il, il explore, il explore du coup aussi les organes génitaux. Il se rend bien compte aussi du coup qu'il y a des zones érogènes et qu'il euh, qu peut éprouver du plaisir à euh, la stimulation de certaines zones. Euh, on va observer euh, entre enfants euh, forcément donc par généralement du coup euh, les jeux, des jeux un petit peu de, de faire semblant qui pourraient nous faire penser euh, peut-être à une forme de, de sexualité adulte, mais en tout cas euh, ils explorent entre pères. Sont des enfants, difficile. voilà, c'est ça, des enfants avec des enfants qui explorent du coup. Euh, leur corps finalement, euh, mais on ne peut pas parler euh, à proprement parler de, de sexualité. Est-ce qu'il y a des étapes Avant, 3 ans, 5 ans, 10 ans Tout à l'heure, vous parliez de, du fait qu'avant 10 ans, on ne peut pas parler de sexualité du tout, mais ça veut dire qu'il y a un, une étape qui se fait à 10 ans. Ça commence à être l'amorce de la prépuberté. Il y a des, un développement hormonal, en fait, qui, ça. Qui fait. Il y a un développement biologie, physiologique et hormonal. Alors, physiologiquement, il y a la... Poussée hormonale qui démarre de façon très variable d'une personne à l'autre et très variable entre les filles et les garçons. Les filles sont un peu plus précoces dans le développement hormonal que les garçons, euh, en termes précoces en termes de timing. Euh, et donc cette poussée hormonale va avoir plein de conséquences physiologiques euh, la, la, la poussée des organes génitaux et des organes génitaux secondaires, des poils, etc. Euh, de, une poussée de croissance, euh, voilà, en taille. Euh, mais aussi euh, psy psychique intellectuel voilà. voilà et ça c'est progressif donc euh, on voit bien euh, ils sont beaucoup plus impulsifs beaucoup, il y a des émotions beaucoup plus fortes beaucoup plus intenses ça va aussi d'ailleurs s'apaiser en fin de puberté mais enfin il y a quand même plusieurs années où les émotions sont très fortes ils vont découvrir plein d'émotions secondaires hein, la honte la culpabilité moins présent avant beaucoup plus présent après euh, beaucoup plus dégocentrice tout, tout ça c'est cette poussée hormonale qui va faire que euh, couplée au développement euh, neuronale et psychologique, tout ça va faire une, une symbiose qui va faire de nous des êtres adultes euh, et bien sûr en relation avec l'environnement dans lequel on vit. Donc tout ça c'est en effet très progressif. Alors moi je ne connais pas des étapes clairement établies, je ne sais pas si c'est écrit quelque part, euh, mais il me semble que euh, euh, les premiers éléments sont la découverte euh, autocentrée avec des éléments en masturbatoire et puis après... Euh, euh, ou même en même temps des, des, des histoires d'amour sentimental sans passage à l'acte. Alors là, avec les téléphones, les téléphones et les réseaux sociaux, c'est extrêmement développé. Ils peuvent être très fort, hein, chez les petits. Très fort, ils sont ensemble, ils sont en couple, hein, mais ils sont à 2000 km, mais ils sont en couple, et, et la rupture est aussi douloureuse que, que si c'était in vivo, mais bon, peu importe. Euh, et il me semble que le, le passage à l'acte sexuel euh, se fait en effet plus, plus tard. On voit cette euh, progression, mais euh, c'est ce que j'observe. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ce que je vous propose, c'est de prendre chacun la parole tour à tour pour revenir sur un élément qui vous semble important, que les auditeurs se rappellent en fait. Euh, ce qui me paraît important, c'est faire vraiment la distinction entre ce qui relève de l'excitation sexuelle euh, et ce qui relève du désir sexuel. Il peut y avoir une excitation, je l'ai déjà dit, périphérique sans qu'il... Absolument pas un désir sexuel. Alors, je l'ai déjà dit, en ce qui concerne le viol, une femme qui s'est violée, il peut y avoir une excitation vaginale, une lubrification. C'est une fonction euh, justement euh, de défense au niveau de l'organe génital. Il n'y a aucun désir, sinon ce ne serait pas un viol, il y aurait un consentement. C'est parce qu'il y a une excitation sexuelle qu'il y a un désir sexuel. Et chez l'enfant, il peut y avoir euh, des érections. Il peut y avoir euh, à nouveau le clitoris qui peut aussi se mettre en branle. Il y a une excitation périphérique. Mais absolument pas de désir sexuel. Le désir sexuel apparaît à partir de la puberté, un peu ouais, au niveau de la puberté, vers euh, 10, 11, 12, 14 ans. L'apparition, et là, vraiment l'apparition au niveau neuronal, effectivement, c'est les hormones qui arrivent au niveau de la postradole ou la testostérone. C'est vraiment ces hormones sexuelles qui commencent à spécifier le désir, le désir au sens large. Avant, il y a de la curiosité avant, il y a ce désir, ce désir de recherche il le système de récompense. Avant, on peut parler de réponse physiologique, oui. mais pas de plaisir sexuel. Pas de plaisir sexuel, il y a encore moins de désir sexuel. Ouais. Le désir au sens large, pour être moins euh, psychologue, je plus euh, le système de récompense, euh, le système dopaminergique euh, est présent dès, dès la naissance. Effectivement, euh, le nouveau-né, l'enfant, l'adolescent euh, explore, euh, est curieux, recherche des nouvelles informations sur son corps et son milieu extérieur. Il n'y a pas de désir sexuel. Le désir sexuel, non, se fonde sur un désir, euh, cette recherche de de plaisir, mais il est spécifié au niveau hormonal, au niveau de, de la puberté, pas avant. Hein Donc il y a toute une, une nécessité de construction préalable pour que le désir sexuel apparaisse au niveau des hormones et pas à nouveau pas avant, juste après. Moi, le message que j'aurais envie de faire passer, c'est euh, stop à l'obscurantisme dans ce pays euh, des droits de l'homme et des lumières. Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays pour qu'à un moment donné, on s'arrête de penser et qu'on qu ne suive plus les données euh, scientifique actuel. En tant que médecin, je suis dans une filière où on fait des choses qui n'ont jamais démontré d'efficacité. Je pense que je suis dans la seule filière où on fait ça. Si un cardiologue ne donne pas pour un infarctus les médicaments qui ont démontré leur efficacité en 2022, il va en prison. Nous, en psychiatrie, on peut faire des trucs et on peut dire des trucs qui non seulement n'ont pas démontré d'efficacité, mais même ont presque démontré une contre-efficacité ou une aggravation. Stop, stop. Donc, voilà, basons-nous sur des données scientifiques, évidemment des données non françaises, puisqu'on essaye de faire des études, mais on est tellement peu nombreux à penser comme ça qu'on ne peut pas faire des, des, des études. Basons-nous sur les, les, les études, avançons, et surtout, re, refaisons toutes les formations initiales de tous les professionnels qui travaillent autour de l'enfance, parce que tout est sclérosé, tout est envahi par des théories pseudo-psychanalytiques, même pas des bonnes théories, quelques bribes, et du coup, certains euh, travailleurs sociaux, travailleurs de l'éducation nationale, mais c'est même pas leur faute. Ils ont été formés comme ça, déformés, euh, euh, maltraités dans leur institution. Et du coup, ils sont maltraitants pour les enfants. Et, et nous, les, certains psychologues et psychiatres, on essaye de, de faire des choses logiques, mais on est à contre-courant avec tout ce qui se fait en France. On va bientôt être le seul pays à fonctionner comme ça. Je pense que ça va se retourner contre nous. Hein. C'est les patients eux-mêmes qui sont bien informés, qui vont commencer à nous dire que ce qu'on fait, c'est très mal. C'est sûr que ça va pas être facile de renverser toute la société. mais Peut-être qu'il ne va pas falloir attendre ça et qu'il va falloir qu'on s'y mette un peu avant. Enfin, Rappelons-nous quand même qu'on est le pays où on a écrit les droits de l'homme. Il faut faire des, des choses bienveillantes qui vont dans le bon sens. Moi, je parlerai plutôt du, du consentement, qui paraît être une notion quand même essentielle. Euh, le consentement bah, qui implique du coup euh, plusieurs choses hein, de, une bonne connaissance de soi, euh, l'affirmation de soi, la capacité à, à se projeter, à, à planifier les choses, voilà, à long terme. Euh, et de rappeler quand même qu'un enfant qui ne dit pas non ne veut pas dire qu'il consent, euh, parce que ça implique plusieurs, plusieurs éléments et notamment une bonne connaissance aussi euh, de soi et l'affirmation de soi. Et ça me paraît important de, de le dire et de donner en tout cas à nos, à nos jeunes, que ce soit les ados, les jeunes adultes, en tout cas des, des techniques aussi d'affirmation de soi, <laughs> qui peuvent être tirées des, des TCC notamment, euh, pour pouvoir... Euh, donner en tout cas la possibilité à nos jeunes de, de dire non en tout cas. Moi, je voudrais parler de l'usage de certaines théories psychanalytiques très résumées et même assez déformées qu'on qu fait en justice et qui correspond au fait que parmi les 10% de séparations conjugales qui se font dans la violence, parce que l'un des partenaires est violent, lorsque c'est le père qui est violent, et la mère qui essaye de protéger son enfant d'agression physique ou sexuelle ou psychologique, la mère est dès le départ cataloguée syndrome d'aliénation parentale immédiatement par les services de l'ASE. Les services de l'ASE qui expliquent au juge des affaires familiales ou aux juges des enfants comment il faut faire. Donc il y a tout pouvoir parce que ça n'est nulle part dans le code de procédure Alors, pénale. Le syndrome d'aliénation parentale a été inventé par un pédiatre, Richard Garner, dans les il années 60. Il n'était six... pas euh, vraiment pédiatre, hein. il a fréquenté les universités, ouais. il a fini par se faire il passer pour psychiatre. Oui, Mais il ne l'était pas voilà. au départ. Et en fait, euh, euh, c'est l'idée de dire que en fait, euh, les, les, les bonnes femmes se vengent euh, euh, au moment du divorce, elles veulent euh, déposséder euh, euh, le père euh, voilà. des enfants et, donc... et qu'elles ne racontent que des mensonges. Exactement. Et il a reconnu à la fin de sa vie, il s'est suicidé dans des conditions il y eu, assez Il y a eu différentes choses. Il y a des gens qui ont dit que c'était un jeune homme. Qu'il avait fréquenté, qu'il a assassiné par derrière d'un certain nombre de coups de couteau. Il y a différentes versions, et en fait, on ne sait pas très bien, parce qu'il y a des Mais versions il a reconnu qui connues. Et, et sur la fin de sa vie, que, son, euh, que son, sa théorie, euh, qui a été maintes et maintes et maintes fois démentie par le ministère de la Justice et par euh, des sociétés de psychiatres dans le monde entier en disant ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est pas corroboré mais c'est quand même utilisé. Il a reconnu que sa, sa théorie avait contribué déjà à accuser injustement des mères, mais à innocenter des auteurs de crimes sexuels. Et aujourd'hui, le, le, le SAP existe encore sous diverses appellations, en tout cas le contenu, même si l'étiquette a changé, Exactement. et contribue à, euh, à, à empêcher les mères protectrices de faire leur job. Et, et c'est basé sur le fait que l'enfant va devenir fou. Si on le laisse avec sa mère, il faut que le père vienne faire tiers. Et ça, les services de l'ASE viennent leur mettre sur la table du juge en permanence. Ah, euh, la mère est fusionnelle, il faut absolument donner le gosse au père pour que défusionner, sinon l'enfant va. C'est le... la défense de l'autorité patriarcale, quoi qu'il arrive, combien même il... il Et l'étude du toxique, professeur Vio l'a montré, 50%, dans 50% des cas, les juges... Alors que le père a été condamné pour inceste, on renvoie le gosse chez le père aussi bien que chez la mère, dans 50% des cas. Alors que, euh, et justement, que. Lorsque le père a après, fait de la prison pour inceste, lorsqu'il sort de prison, il réclame et obtient le droit de garde de l'enfant. C'est-à-dire que en fait, les magistrats et les, 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 les services de l'ASE font un, un travail de médiation pour que l'enfant retourne vivre et, retourne, et que le père, un, condamné pour inceste, euh, euh, puisse exercer son droit de visite. Euh, Lorsque Donc, je... un, il y en a qui reviennent tous les week-ends. Oui, je pas donnais une formation à des assistantes sociales et des éducateurs sur l'inceste et il y en a un à la fin, bon, je leur fais bien sûr poser, des... poser leurs questions. Il me dit, ben bah voilà, je suis embêtée parce qu'il y a un père qui sort de 5 ans de prison pour incest sur sa fille, elle a 12 ans maintenant, elle ne veut pas revenir, mais euh, moi, on m'a expliqué qu'il fallait que j'obtienne que cette petite fille, elle aime de nouveau son père parce qu'elle vit chez son père de nouveau. Et là, je lui ai dit, écoutez. Je ne sais pas quoi vous dire, là. Voilà. Et ça court à bas bruit ou à haut bruit, partout dans toute la France. Voilà. On ne dit pas forcément syndrome d'aliénation parentale, mais on le pratique. Mais le contenu est le même. Syndrome de médé syndrome de. Voilà. Oui, ou rien du tout, même. Et la mère est fusionnelle, euh, la mère euh, veut se venger du père, euh, euh, la mère a subi l'inceste quand ça se produit, euh, la mère a subi l'inceste, dont elle projette. Euh, euh, les services sociaux euh, font le travail du psychiatre hein, sans en avoir les capacités ni les connaissances, et après ils posent ça sur la table du juge, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment épouvantable. On en voit deux ou trois par semaine dans notre association. C'est horrible. Il faut faire quelque chose. Il faut y aller maintenant. Il faut y aller. Mais j'espère qu'on va, on va y contribuer. Parce que c'est la mère qui est fusionnelle et c'est le père qui va défusionner. C'est horrible. Quand on voit l'état des enfants et l'état des mères, elles ont... La mère, autant que l'enfant, stress post-traumatique plus plus plus. Comment voulez-vous que la mère défende son enfant au bout du, du, du traitement euh, de, passer à la moulinette par la, les institutions euh, revictimiser, euh, l'enfant revictimisé par les institutions. On n'en peut plus, on est en burn-out, on est trois ou quatre dans notre association à euh, nous occuper de ça et on n'en peut plus. On va en mourir. Mais non, ce n'est pas nous, c'est cette mère, c'est cet enfant ou ces enfants qu'on ne peut pas aider. Parce que les institutions, c'est béton. Voilà mon message. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment d'avoir été là. Merci.